Oula. Ça a crash. Ça va mieux? Vous êtes là? J'ai vu que ça avait déconnecté, reconnecté. Vous avez obtenu une barquette de confiture. Ok. C'est bizarre, ça a bugué avec le gâteau. Oui. C'est bizarre, ça connecte, ça reconnecte. Vous êtes là? Pardon. Je sais pas, c'est mon ma connexion. Ouais, c'était Hiro, l'heure du thé. Rends une partie des cœurs et du jus à un ami. Ah, ça c'est cool. Merci. Bah non, mais je sais pas. Voilà, c'est bon. Ouf. Ouf. Que faites-vous ici? Des topous ordinaires ne sont pas autorisés dans la chambre de Choupette. Vous connaissez les règles? Ah, attendez une minute. Peut-être que vous êtes capable de m'aider? Choupette m'a ordonné de déplacer cette statue hors de sa chambre avant qu'elle ne revienne. Mais je n'arrive pas à la faire bouger du tout. Si seulement ce truc se faisait soudainement et commandément réduit en tout petits morceaux. Eh ben, madame, j'ai bien l'impression que vous avez besoin de destruction. Et Aubrey, ici présente, est une spécialiste de la destruction. Aubrey? Ma foi, c'est un nom bien étrange pour une topousse. Mais bon, Choupette commence à être à sec de nouveaux noms à donner. Attends, Kyle, c'est pas une statue de capitaine spatial? Je me sentirais mal de la détruire. C'est pas comme s'il allait le savoir un jour. Capitaine spatial et Choupette, c'est du passé. Vivre et laisser vivre, c'est ce que je dis tout le temps. Tu dis pas ça tout le temps? Mais d'accord, j'imagine que je peux essayer. Bon. Ok, j'arrive. Cette fois, je n'échouerai pas. Ma parole, tu l'as fait. Eh ben, c'est l'heure de nettoyer ça. Pouf, vous êtes de vrais sauveurs. J'aurais dû juste laisser cette tâche à des spécialistes. Ok. Mon Dieu, eh bien c'est une surprise. On dirait que tout ce que j'avais à faire, c'était de la soulever par le bas. Bon, on n'a plus rien à faire ici, je crois. Une machine à musique. J'ai failli le battre. Arrêtez-vous, imposteur. Je sais ce que vous êtes, et vous n'êtes pas des topous. Vous devez vous demander comment je suis capable de dire ça. Vous voyez, je suis au-dessus de ces fébriles et inexpérimentés Harold et Marsha. Je suis Sir Maximus, et avec ma lignée impressionnante, je serai victorieux et apporterai honneur à ma famille. Ah, il a une longue épée, hein.
Bah alors, Nekos, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne peux pas échouer maintenant. Mon fils a besoin de moi. Ah, ça marche pas encore? Ah, ça fait bugger ton téléphone. Ah mince. Ton crash, il a fait tout bugger. Faites des dons à moi. Pauvre Nekos, ça veut dire que tu peux pas clipper si t'es sur téléphone. Oh, ça c'est triste. Pion. Attends, c'est un lapin avec des oreilles bougies. Que j'achète iPhone 17. Mimi, attention, hein. Oh, mes chers sous-chefs, j'ai bien peur que mon dos ne puisse plus tenir. C'est en cette malheureuse période que j'annonce ma retraite. Mais attendez, chef, sans vous, qui nous guidera pour préparer un magnifique gâteau pour l'événement principal? Sous-chef, il est maintenant temps que l'un d'entre vous reprenne le flambeau. Un gâteau doit être prêt aujourd'hui. Notre propre vie sont en jeu. Oh oui, je vous entends, chef. En tant que cuisinier le plus capable d'entre nous, je me porte volontaire pour assumer cette tâche. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Ah ouais. Eh, vous là, vous quatre, les sous-top chefs maintenant. On se voit en cuisine, pronto. Oh. Nous prenons notre travail au sérieux. La garde royale de Choupette accepte uniquement les meilleurs des meilleurs. Ok, on va la cuisiner, hein. Oh. La Topouse contemple avec nostalgie le portrait de Choupette. Une peinture d'une personne a l'air odieux. Bah, il y a Marie. Un bol de fraises sucrées. Si à chaque fois qu'on voit Marie, ça va faire ça. D'ailleurs, c'est en train de chauffer mon thé, hein. T'inquiète pas. Oula. Ecce dalla mia stanza o chiamo la polizia. Oh, Francesco, je n'arrive pas à comprendre le moindre mot de ce que tu racontes, mais tu es si charmant. Du coup, bon, on y va. Et je vais peut-être sauvegarder. Alors. Moi, c'est parti. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Mettez-vous en place, ok? Je ne sortirai pas de cette salle sans avoir fait le meilleur gâteau qui soit. Vas-y. Est-ce que vous êtes prêt à pâtisser? Suivez juste mes instructions et tout ira bien. Je me souviens de la recette du chef par cœur. Eh, ne soyez pas nerveux. Faites-moi confiance, je sais ce que je fais. Tout d'abord, il faut préchauffer le four à 25 degrés. Ok. Excellent travail. Ensuite, il faut mélanger deux ingrédients principaux dans un bol. Des fleurs et des balles de ping-pong. Attendez. Il n'y a pas de fleurs aussi. Oh, il y a un cafard. Ah, on m'a remarqué. S'il te plaît, ne dis à personne que je suis ici. J'aime juste creuser dans le garde-manger. Je veux dire, qui n'aime pas ça? Veux-tu prendre la vieille botte?
Bah attendez, on prend une chaussure et on prend quoi d'autre? Des fraises, non. On va prendre un poulet. Oh, allez, on prend le poulet. Hello, Rof. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Ouais, on mélange. Bien. Ensuite, ajoutez le sel et le fromage. Puis battez jusqu'à en faire de la soupe. Le sel, fromage, il n'y a pas. Hein. Bon, je vais prendre du beurre et... Et un poisson. Je crois pas, c'est pour ça, je crois que je vais prendre n'importe quoi. Voilà. Ok. Maintenant, on fait de la vraie cuisine. Enfin, et surtout, attrapez la sauce et coupez-la en morceaux. Bon, on prend la sauce, là. Jus de fruits, voilà, du jus de fruits. Magnifique. Maintenant, mélangez-les tous ensemble et fourrez-moi ça dans un micro-ondes. C'est aussi simple que ça. Mais le gâteau, il va être immonde. Prends la pâte à gâteau, ouais. Tu as mis la pâte à gâteau dans le four. Tu as cuisiné un gâteau. Bon sang, qu'est-ce que tu as mis dedans? Ah, déjà prêt? Je dois dire que c'est du beau travail. Prenons-en une bouchée. Ah, ouf. Non, ça a l'air dégueulasse. Oula. Il est mort. Bonsoir. Bon débarras. Ce mec est un emmerdeur. Maintenant, vous êtes prêts à vraiment faire ce gâteau? Oui. Alors cool. La première chose à faire est de préchauffer le four à 175. Génial. Maintenant, mélangez de la farine et des œufs. Ah ouais, là, ça a l'air plus sérieux d'un coup. Farine et des œufs. Ensuite, le sucre et le beurre. Le sucre, je crois que c'est le sac blanc, oui, c'est ça. Le beurre. Et maintenant, enfin, la garniture. Ça ne peut être que des fraises. Ok. Préférez les balles de ping-pong. Fini? Bien. Maintenant, prenez le tout, mettez-le dans un moule à gâteau et faites cuire. Non, je prends rien. Non, Nika, non, je me fais pas avoir. J'ai mon thé, là. J'ai le miel. Je fais pas de folie. Hop, c'est bon. Et au four. J'ai mis la pâte à gâteau. Tu as cuisiné un gâteau. Waouh, il a l'air plutôt bon. Et c'est comme ça qu'on fait un gâteau. Ouais, ça fera l'affaire. Enfin un gâteau dont notre regretté top chef, Brigadier, serait fier. Que sa mémoire vive à jamais. Vous pouvez disposer maintenant, sergent. Soyez libre. Attends, mais du coup, je crois que c'est... C'est toi qui as pris quelque chose ?
Ah, ça te blesse, ok. Et toi, je peux te donner une poêle. Contre, ça donne beaucoup de jus, hein. Oh! Merci. Attendez, j'hésite. Une théière ou une poêle à frire? Oh, allez, la poêle à frire, ça a l'air d'être pas mal. Bon, on a fini ici. On va en bas. Ah, normalement, il y a un passage secret quelque part ici. Est-ce que c'est là? Non. Tiens. Puis mon thé, il est prêt d'ailleurs. Attendez, hein. Moi, il y avait Pluton. Aïe aïe. Mais il chante faux. Non, 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 non! Ça n'ira pas du tout. Toi au centre gauche, t'appelles ça du chant? Le flamant rose en plastique de mon cousin chante mieux que toi. Et ne pense pas que je ne te vois pas, toi, au fond qui t'endors pendant le refrain. Reprenez-vous, ou sinon Choupette nous fera croupir dans le cachot. Ces topos ont l'air de s'être attirés des ennuis. Je me demande si on peut aider d'une manière ou d'une autre. Hé les gars, vous avez besoin d'aide? On est des aideurs professionnels à votre service. Oh Dieu merci, les professionnels sont là. Nous devons absolument faire en sorte que la chorale soit prête avant l'événement principal de Choupette. Mais il n'y a juste pas assez de temps. Vous voyez, nous les topous devenons très fatigués quand nous écoutons de la musique. Alors, comme vous l'imaginez, la chorale ne fait que s'endormir. Ah, j'ai bien peur que nous devions avoir recours à des méthodes alternatives pour les tenir éveillés. Je vois. Rien à craindre, ma chère Topousse. Je sais exactement de quoi tu parles. Vraiment? Dieu merci, nous sommes sauvés. C'est ça, ouais, John. T'es un spécialiste des méthodes alternatives, toi. Dieu merci, nous sommes sauvés. J'aurais dû en attendre autant de la part de professionnels. Je vais m'occuper de ça, mon bon monsieur. Vous pouvez me faire confiance. Bon bah c'est parti. Monsieur Top Virtuose, je suis prêt à y aller. Merci, affable professionnel. Nous vous devons une fière chandelle. Gros. Mais il chante mal. C'est une catastrophe. Ah, je ressens déjà une amélioration. Mais je me demande si nous pouvons faire mieux. Voulez-vous réessayer? Oui. Je crois en vous, professionnel. Non, mais on dirait le tchat qui chante. Avec Nekos et Belaf au premier rang. Celui qui s'endort, c'est John. Il fait que bâiller.
Ah, je ressens déjà une amélioration. On dirait qu'il est presque l'heure de l'événement. Cela signifie que nous n'avons que du temps pour une seule session de plus. Voulez-vous donner un dernier essai? Oui. Mais il chante toujours mal. Quoique, c'est moins pire, non? Miaou. Oui, excellent travail. Avec votre aide, l'événement principal sera sûrement des plus glorieux. Merci pour votre temps. Nous essaierons de faire de notre mieux avec ce que nous avons. Ah, ça a vraiment marché. Un gâteau à la fraise qui sent l'océan. Ok. Ouf, merci. On peut y aller. Oh! Tu as obtenu des frites. Un soda à la pêche. Oula! On peut y aller du coup. Bah ça donne faim, hein. Ça m'étonne que Nekos il ait pas faim encore. Oh. Arrêtez-vous, imposteur. Je sais ce que vous êtes et vous n'êtes pas des Topous. Vous devez vous demander comment je suis capable de dire ça. Vous voyez, je suis le fils du mythique héros de légende, Sir Maximus. Vous avez peut-être surpassé mon père, mais je suis plus fort que lui. Avec ma lignée impressionnante et mon père à mes côtés, je serai victorieux. D'accord. Elles ont des bonnes musiques, hein. Toi, tu vas sourire, ouais, souris. Non, je ne peux pas laisser la mort de mon père être vaine. La tristesse, c'est l'énervement, hein. On va agacer Omori. Je me rappelle toujours de Skadlitaos. Ça, c'est bien pour retenir les attaques. Ah, il a tenu le coup, Kyle. Père, pardonnez-moi, je suis désolée, j'ai échoué.
Ok. Souhaites-tu jeter une palourde dans la fontaine? Oui. Ça fait rien. Ah oui, il fallait que j'aille à gauche. Ouais, j'ai pas été ici. T'en es où là? Quel spectacle fantastique! Cette visite valait bien le déplacement depuis l'Oasis Orange. Ok. Lourde. Ah! Ça va en Écosse? Dix touches restantes. Bah, tu t'appelles Écosse, toi? Arrête. Ah, c'est Choupette. De haut en bas, la création de Choupette. Choupenitica, la naissance de Choupette. Ah ouais. Il y a des toilettes. Arrière. N'est-ce pas la plus délicate œuvre d'art sur laquelle vous ayez posé votre regard? Ok. Je crois qu'il n'y a rien ici. Cette statue est faite des larmes cristallisées des ennemis de Choupette. D'accord. Ah, je crois que c'est là. Oui, voilà, le passage secret. J'ai trouvé. Et il faut que ce soit Omori qui aille devant. Vous êtes courageux pour me parler, jeunes gens. Dites-moi, appréciez-vous le château de Choupette? Cette fille, elle était complexe. Cette demeure, elle prend la forme de nos désirs les plus profonds. Un lieu où retourner, un endroit où se sentir chez soi. Choupette est venue à moi il y a longtemps, une pauvre fille du désert. Et elle m'a supplié à genoux de faire de cet endroit le sien. Je lui ai donné ce qu'elle désirait. Un château plein de richesses, de servants à sa disposition. Une scène pour qu'elle exhibe son pouvoir. Pourtant, elle en veut toujours plus. Cela doit être une malédiction. Bientôt elle partira et ne reviendra pas. Je le sais. Quand j'estimerai qu'elle aura trouvé sa place ailleurs, je chercherai un nouveau propriétaire. Quand ce temps viendra, reviens me voir. Toi, au regard vide. Ton âme est scindée, mais tu ne peux choisir qu'un chemin. Ce sera intéressant de savoir ce que tu feras de cette demeure. J'ai très peur, parce qu'Obori, il a un esprit bizarre. Hein. Bientôt elle partira, elle ne reviendra pas, je le sais. Ok. Ouais, du coup, Choupette, c'était une pauvre fille du désert. Qui a enfermé son petit démon, là, dans un cachot. Tout va bien. Bon bah on ressort. Ah oui, le thé spécial de Choupette. Souhaites-tu en manger? Oui. Oui, ça va mieux. Veux-tu regarder un film? Vas-y.
C'est capitaine spatial. Bah là, Neka, ça va mieux ton portable. Attendez, il y a une suite, j'ai envie de savoir. Ouais, je crois que t'as manqué le démon, Nekos. Je crois. Ouais, c'était une pub aussi. Je crois que c'était une pub, ouais. Bon. Oula. Pardon. Oh, y a du monde. Bon sang, je n'ai tout simplement pas le temps d'accepter l'entrée de tous ces invités indisciplinés. Cela prouve qu'il ne faut jamais sous-estimer la popularité de notre chère choupette. Vous ici, les servants au visage laid. L'événement principal à venir a un code vestimentaire strict. Il est de la plus haute importance que le public soit habillé selon les spécifications exactes de Choupette. Voici un simple graphique que même un non-topus pourrait comprendre. D'accord. Ouais, d'accord. Demande gentiment aux petits invités non désirés de te suivre et amène-les-moi. Tu peux faire quelque chose d'aussi simple, n'est-ce pas? Non mais Nekas, t'as vu le petit démon ou pas? Sinon je te le remontre. Hein. Merde, j'ai oublié de lire. Bah ouais, oui. Peut-être que tu devrais partir. Quelqu'un de plus charmant devrait changer le ton. Ah oui, Hiro. Bah non, sinon, vas-y, recule un peu la VOD, tu le vois juste avant. Parce qu'il répète pas aussi le truc important concernant Choupette. Veux-tu demander à cette topousse de te suivre? Non, peut-être que tu devrais partir. Ah non, je me suis trompée, c'est Hiro. Il est où? Il est là. Vas-y, Hiro. Demande-lui. Bah oui, ça marche. Salutations, estimés invités. Veuillez me suivre, votre présence est requise urgemment. Moi? Il doit faire une exception pour ma personne. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Je suis un invité. Mais si, mais vas-y, Nekos, parce qu'en plus, ça c'est répétitif, là, ce que je fais. T'inquiète, c'est quoi? C'était il y a 5 minutes. C'est un peu redondant ce passage. Heureusement que la musique est sympa. Hein. Hop. Ok, il y en a encore, oui. Il y a un livre là. Je ne sais pas ce qu'on m'a dit. L'amour de Choupette vaut de l'or. Je crois que j'ai presque tout, non? Eh ben, ça fait un bail depuis que je vous ai vu, vous quatre. Vous ne faites rien de bon, je présume.
Avez-vous appris une bonne leçon après vous être aventuré hors des tunnels? La prochaine fois, vous ne serez pas aussi chanceux. Attendez. Ouais, toi là. Si on a du topousse coloré. Ah, j'en ai raté un. Il est jaune lui là. Ah bah là oui. Je crois que c'est bon, hein. J'ai tout pris. Hein. Ah, et à toi là. Je crois que c'est bon. C'est bon. Magnifique. Je savais que vous aviez ça en vue. En vous. Maintenant, nous pouvons enfin nous débarrasser de ces invités non rosés. Garde! Escortez ces topousses au cachot. On s'en occupe. Ces invités non rosés ne verront plus jamais la lumière du jour. Oh oh, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'on peut considérer les fantômes comme du gaz? Alors là, je sais pas. Attendez, il y a un truc qui brille. Tu as obtenu un recueil de poésie. Attendez, y en a... ça brille autre part aussi. Oui, ici. C'est un esprit. Livre intéressant, il est intéressant. Aïe. Ah. Piégé. Ça fait quoi piégé? Dis-moi, Mori. Ouais, c'est pas de pas mal. Taillé. Les points d'action se gardent ou pas? Je crois que oui. Si je dis pas de bêtises. Bon, on en a fini ici. On peut s'en aller, je crois. Voilà, ici. Ah non, on a été ici, c'était le musée. Ah bah. Arrêtez-vous, imposteur. Je sais ce que vous êtes et vous n'êtes pas des topousses. Vous voyez, je suis le fils du mythique guerrier de légende Sir Maximus II et petit-fils de Sir Maximus. Vous avez peut-être surpassé mon père et mon grand-père. Mais cela n'a fait que nourrir ma rage et ma soif de vengeance. Avec ma lignée impressionnante, et mon père et mon grand-père à mes côtés, je serai victorieux et vengerai ma famille. Non mais c'est quoi ce bordel? Je vais encore tomber sur le petit-petit-fils.
Mais j'ai déjà plein de tofu, je crois, dans mon sac. Oula, par contre, il est fort, hein. Ah, par contre, il se sent triste. Mince. Agasomori, toi? On va agacer Omori. Non, je ne peux pas laisser la mort de mon père et de son père être vaine. Allez, enrage au mori là. Bon, Kayle, il est RIP, tant pis. Père, grand-père, je suis désolée, j'ai échoué. Eh, c'est juste moi ou ça a l'air plus calme tout d'un coup? Il y avait pas une foule de topous à l'entrée tout à l'heure? Je ne les vois nulle part. Elles ont finalement dû se frayer un chemin jusqu'à l'extérieur. Suivons-les, Omori. Peut-être qu'elles peuvent nous conduire hors d'ici. Ouais, merci. Qu'on peut y aller. Je sais pas si c'est du sang ou de la fraise, l'eau. Les deux. Ouais, c'est très bizarre comme château. Ouh, on est enfin sorti du château de Choupette. Je me demande ce qui se trame avec ce grand événement que tout le monde prépare. Bizarre. Je vois les topous de l'entrée nulle part. Où est-ce qu'ils ont dû passer? Il doit y avoir une sortie secrète quelque part. Fouillons dans les parages et fouillons ce qui a l'air suspect. Ouh. Veux-tu prendre du thé avec tes amis? Oui. Une statue impressionnante de Choupette projette une ombre déconcertante.
Quel est le mot de passe? Mon romantique. Ananas. Mangeant. Toast. Tu as dit romantique, ananas, mangeant toast. Faux. D'accord. Très bien. Ok. Très bien. Bon, c'est peut-être ça, arrête de critiquer. Allez les topous là, mourez! Enfin. Oh. On y va. Ouah, ça fait mal. Est-ce que tout le monde va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, cette sculpture végétale de choupette vient de nous tirer un laser. Il doit y avoir un moyen de se débarrasser de ces gars. Voilà. Ouais, je viens de voir. Okay. Ok, Choupette, tu l'as bien cherché. Yaha. Flûte, j'ai raté. Oh, Kale. Tu vas rien toucher si tu lances comme ça. Pourquoi est-ce que t'essaierais pas de viser pour une fois? Hein? Viser? Je peux faire ça? Bien sûr. Même toi, tu peux viser, Kale. D'accord, je vais faire mon meilleur tir. Non mais Scale, il est... Tu as obtenu une gaufre. Attendez. Parce que là, il y a une statue de choupette, j'ai vu. Et là, je fais demi-tour. Attendez, il y a un champignon, je vais quand même aller voir. Un champignon a l'air suspect. Souhaites-tu prendre une bouchée? Oui. Toi, le bulbeux, tes yeux, ils me disent que tu as soif d'apprendre. Excellent, excellent, excellent. Je vais t'apprendre, viens. Tu n'as pas l'air... Tu n'as pas la même étincelle dans les yeux que le bulbeux.
C'est qui le bulbeux? Lui? Omori? Tu es venu. Excellent. Maintenant observe. Les bulbes comme celui derrière moi retiennent les créatures comme moi. Cependant, nous sommes incapables de nous échapper par nos propres moyens. Avec une technique de coupe très spécifique et complexe, on sera capable de nous libérer de notre destin bourgeonneux. Cependant, il faut passer des années, peut-être même des décennies, pour parfaire cette technique. Si tu es d'accord pour l'apprendre, on ne sait pas combien de temps cela va prendre. Pourtant, avec du temps, je crois que tu pourras faire de grandes choses. Es-tu prêt à relever le défi ? Omori s'est entraîné pendant longtemps. Excellent, excellent. Tu as tellement grandi. Oh, c'est devenu un papy. Contrairement à ce bulbe derrière moi. Maintenant, coupe-le en utilisant ta technique. Parfaite. Vas-y. Enfin, je suis libre. Excellent, excellent. Prends ça, c'est un cadeau de ma part. Tu as obtenu un pissenlit. Excellent, excellent. Tu as obtenu une barquette de confiture. Ok. J'ai rien compris. Bon, bah on y va. Hop. Il y a 4 mots de passe qui doivent être prononcés à la statue de Choupette pour révéler le tunnel secret. Naturellement, en tant que membre de l'élite choisie, j'ai la responsabilité de garder le 3e. Hein? Vous voulez connaître le mot de passe? Oh non, je suis désolée. Je suis censée le dire à personne. Hein? Vous avez vraiment besoin? Genre, vous en avez vraiment, vraiment besoin? Genre, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin? Genre, vous avez vraiment, 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 vraiment besoin? Je présume que je n'ai pas le choix, alors. Et vous devez promettre de ne le dire à personne. Promis, juré, craché. Oui. Et voilà. Tchou! J'ai peur que vous ne soyez pas quelqu'un de confiance. Maintenant, approchez-vous. Le mot de passe qui m'a été confié est... fourré. Vous avez compris? Promettez-moi de ne le dire à personne, ok? Ok, il y a fourré. Tout va bien. Hop. On va fuir parce que là je suis pas trop en forme là. On va pas tenter le diable hein. Hop, je suis par ici. Oh parfait. Vas-y, Kayla. Je crois que c'est bon. Il y a 4 mots de passe, ok. C'est un jour magnifique dehors, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ah! Vous dites que vous aimeriez savoir le mot de passe? Je m'excuse, j'ai peur que cela ne soit pas dans ma juridiction. Mais je suppose que quelque chose de goûteux, blanc, cassé et cubique pourrait me faire changer d'avis. Donner un tofu? Oui. Oh, du délicieux, irrésistible tofu. Je suppose que je peux le laisser s'échapper pour cette fois. Maintenant, approchez-vous. Le mot de passe qui m'a été confié est... adorable. Compris ?
Promettez de ne le dire à personne, ok? Ok, adorable fourré. Confiture maison. Ça, il peut ramener à la vie, quoi. Non, mais Omori, il va devenir pire en pire. Je pense. Si j'ai de bons souvenirs. Attends, du coup, ouais, attitude. Alors. Ok, c'est parti. C'est quoi ça? Je crois que je suis pas très fort, hein. Ah bah c'est bon. Ah Kyle, tu as pris ricochet. Aptitude, Kayla. Ah, frappe 3 fois, parfait. Ouais, on n'a pas fait ce côté-là. Attends. Comment je fais là? Ah oui, là. Voilà, c'est la phase d'infiltration. On y est presque.
tomate. Il y a 4 mots de passe. Voilà. Donc on avait fourré, adorable. Mais ah, je suis censée garder ce mot de passe super secret et tout, ouais. Mais genre, il parle de nourriture, donc maintenant, je pense qu'à ça maintenant. Ça me donne si faim que j'ai commencé à brouter de l'herbe pour calmer mon appétit. Vous pouvez le croire? Il devrait vraiment commencer à donner de la nourriture aux gardes du coin. Et puis même, c'est quoi comme genre de mot de passe confiture? C'est comme le surnom cucu débile que ce gars bleu chelou donne à Choupette, non? Non mais allô? C'est pas du tout un secret, tout le monde pourrait deviner ça. Ils étaient tout le temps en train de se balader en agissant comme un petit couple, à se donner des petits noms. En disant des trucs genre « Pourquoi tu me demandes toujours pas de t'épouser ?» et « Je suis désolée, mes amis n'approuvent pas cette relation tout le temps. » Ah, c'est tellement casse-pied. Mais bon, bref. Je suis toujours coincée ici à garder les mots de passe avec les 3 autres gardes. Ces gars pourraient même pas garder un secret pour protéger leur vie. C'est vrai. Prenez-moi en pitié si vous le voulez. On verra si j'en ai quelque chose à faire. Me voici confinée ici, dans ce petit coin seul, dans le jardin, à garder le mot confiture de tous les mots, vraiment. Donc on a adorable fourré confiture. On y est presque. Ok. Hop. Voilà, parfait. On avance. Citronnade. C'est bon. Il y a 4 mots de passe qui doivent être prononcés à la statue de Choupette. Blablabla, bla bla, on connaît la chanson. Tu veux connaître le mot de passe, hein? Pas si vite, mon pote. Je dois dire, t'es vachement grand pour une taupousse. Comment je suis censée savoir que t'es vraiment l'une d'entre nous? Je pense que je cracherai le mot de passe à un potentiel espion. Ha! Me fais pas rire. Si t'es sûr d'être une taupousse, alors pourquoi ne pas le prouver? Je te dirai le mot de passe si tu peux deviner à quoi je pense en ce moment. Tofu, Choupette, tofu. Tofu. Oh, du délicieux tofu. Je suis désolée d'avoir douté de toi. J'imagine qu'il y a plein de sortes de topus. Maintenant, approchez-vous. Le mot de passe qui m'a été confié est Donuts. Compris? Promets-moi de ne le dire à personne, ok? Waouh. Voilà, on a tout. Je vais aller me recharger et on y va. Nesta l'œil, Yoginji. Ah oui, c'est vrai, il veut pas manger du cornichon, lui. Hop. Tes amis et toi, vous sentez revigorés. Du coup, je vais lire... J'ai oublié de lire les ennemis. Vas-y, fais voir la pinou des bois. Ça, on l'a fait, ça aussi. Oui, oui. Nounours. Attention, ne pas provoquer. Ne pas montrer de faiblesse. Attention, ne pas provoquer. Explose quand acculé. Mais pourquoi elles explosent? Qui a planté ça ici, de toute façon? Harold. Un maître de la lame, une taupousse qui a étudié l'art du combat pendant des années dans le but de s'accorder le prestigieux titre de Harold. Une maîtresse de la hache, une taupousse qui a étudié l'art du combat pendant des années. Waouh. Maître de l'ésotérique. Lucius. À bout d'une tentative futile pour ressembler entièrement à un cheval. Eh ben au moins ils ont fait de leur mieux. Ce costume pue des fesses. Oula, t'es juste méchant. Ah, c'est Omori qui a dit ça? D'accord. Un vrai maître de la lame, la taupousse qui a étudié l'art du combat pendant des centaines d'années. Le fils d'une taupousse qui a étudié l'art de la lame, et là c'est le petit-fils. Oui.
Ok. Omori, il est vulgaire quand même, hein. Bon, on y va. Allez, j'ai le mot de passe maintenant. Quel est le mot de passe? C'était adorable. Donut. Fourré. Confiture. Bien. Bah alors, Nekos, qu'est-ce qui se passe? T'es fatigué, hein? Tu vas aller faire dodo, hein? Cher Choupette, je t'aime tellement! Ayant des enfants et passant le reste temps de nos jours tous les deux. J'aimerais beaucoup que ça arrive. Pas que les fautes. Merci. D'accord. Des sauts de peinture. Bah Nekos, il arrive au bon moment. Ah oui, des cornichons. J'ai quelques articles de choix. Ah, il y a un nounours. Ah. Énervé, c'est le bonheur, ouais. On va essayer de l'avoir. Là, mon bébou. Ah, je crois que c'est bon, il est mort là. Allez, adieu le nounours. Tu as trouvé une ours en plus. Choupette. Choupette, t'es ma reine. J'aime et adore tout ce que tu fais, plus que tout. Réponse tap. On dirait des casses. Ah, c'est terrible, c'est des casses ça. T'es ma reine. Réponse tape.
Ah, il y a une autre lettre d'amour ici. Je t'ai aimé depuis le premier moment que j'ai mis mes yeux sur toi. Sois mienne pour toujours, ok? Ok. Bélave. Mais si, je sais comment faire. Oh là là, c'est bon, j'ai compris. On a enfin réussi à sortir. Waouh, c'est quoi toutes ces décorations? On dirait que quelqu'un s'apprête à se marier. Oh, le spectacle va commencer. Cachons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui est un jour des plus mémorables. Après 42 saisons de la quête des cœurs de Choupette, il est temps de diffuser notre épisode final. C'était une aventure splendide. Merci à tous les spectateurs. Depuis aussi longtemps que nous sommes à l'antenne, nous avons rigoureusement recherché un prétendant parfait pour notre Choupette adorée. Et à chaque fois, malheureusement, Choupette n'a pas été en mesure de trouver son véritable amour. Mais cette fois-ci, nous croyons que nous nous sommes vraiment surpassés. Voici le moment qui met fin à tous les instants. L'histoire commence ici. Tamisez les lumières, s'il vous plaît. Que l'épisode final commence. Commençons le mariage. Ah, je sais pas. Veillez à accueillir dans l'allée l'idéal prétendant de Choupette. Oui, c'est vrai. On aura tout vu. La réponse était évidente depuis le début. Le seul prétendant assez magnifique pour Choupette. Et Choupette elle-même. Silence. Commençons la cérémonie. Mes chers amis, nous sommes réunis en ce jour. Choupette se marie avec elle-même, trop nul. Ne rigole pas, Kyle. Je me sens un peu mal pour elle. Et maintenant, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mariage sacré? Qui parle maintenant ou se taise à jamais? Dans ce cas, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare désormais Choupette et Choupette. Vous pouvez embrasser là. Je m'y oppose. Cessez immédiatement ce mariage. Oh, j'ai cru que c'était Capitaine Spatial. Ne faites pas ça, Choupette. Ce mariage est bidon. S'aimer soi-même, c'est une chose, mais là, ça va beaucoup trop loin. Pas encore vous? Comment osez-vous remettre les pieds ici? Garde! Garde! Choupette, vous faites une erreur. Vous ne pouvez pas vous marier à vous-même. Il y a quelqu'un quelque part qui vous correspond. Je le sais. Aubry, qu'est-ce que tu fais? Elle va encore nous envoyer au cachot? Tu ne comprends rien, simple fan de Hiro. J'étais une jeune princesse autrefois. Moi aussi, je pensais qu'il y avait quelqu'un pour moi en cet univers. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. Je ne crois plus au véritable amour. Je ne tomberai plus jamais amoureuse de quelqu'un d'autre.
La seule et unique personne que je vais aimer à partir de maintenant, c'est moi-même. Maintenant, garde, saisissez-la. Héros, je pense pas que ce soit une bonne idée. Choupette, écoutez-moi, vous n'avez pas à faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Se pourrait-il? Héros, mon héros est venu me chercher. Oh mon doux héros, je savais que tu me laisserais pas toute seule comme ça. Comme tu me fais chanceler avec tes mots, bien que ce soit terminé entre nous, mon cœur ne t'a pas totalement oublié. Je vais te donner une dernière chance. Épouse-moi, héros, maintenant. Fais-le et je laisserai tes fans et toi en vie. Attends, quoi? Je ne peux pas faire ça, c'est de la folie. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu me rejettes? De nouveau? Mais... comment est-ce possible? Je... ne... comprends pas. Oh. Oh oh. Tu l'as fait... Ah oui, je vois tout clairement maintenant. Je vais l'admettre. J'avais tort à propos de toi, héros. Je pensais que tu étais un prétendant qui en valait la peine. Mais il semblerait que tu sois jaloux de moi, comme tout le monde. Oui, ça doit être ça. Mon apparence éblouissante. Mon sourire charmant. Ma personnalité sociable. Ça doit être si difficile pour toi de te tenir en ma présence. Eh bien... il n'y a plus besoin de désespérer. Je vais abréger tes souffrances, personnellement. Adieu, misérable plébéien. Je vais vous enfermer dans le cachot pour toujours. Bon bah c'est parti. Héros, mon héros, ton sourire charme mon cœur, je le ferai mien. Oh, oh. Ah ouais, il nous agace. Elle est bien la musique. Hein. C'est inutile, bande d'idiots. Vous ne pouvez pas atténuer mon énergie positive. Choupette est devenue heureuse. Je rends heureux au Mori.
Non, non, je l'ai pas fait, je l'ai annulé pour rendre heureux Omori. Mais faudrait qu'ils soient tristes, mais je sais pas si j'ai du truc pour les rendre dépressifs là. Ah bah si j'ai. Frappe puissante. Oh, Aubrey. Vous osez lever la main sur moi, abruti. Vous devez ramper sur vos genoux. Allez, deviens dépressif, Omori. J'ai pas de la confiture moi. Ah la vache. J'ai pas un truc pour tout le monde. Je regarde vraiment, j'ai pas un truc pour rendre des... Parfait. Gadget. Oh la vache! Mais j'ai pas eu le temps. Ah ouais, ça a enlevé mon truc, non! Oh, ma beauté et ma grâce sont illimitées et éternelles. Quel dommage que vous ne puissiez pas en profiter plus longtemps. Choupette est devenue euphorique. Voilà, petite frite. Oh la vache, j'aurais dû m'équiper là. Oh mais non.
Elle résiste bien en plus, hein. Oh punaise, je peux pas faire mon attaque. Vas-y, je fais encore merde. Je vois que vous êtes toujours debout. Je présume que les cafards sont résilients. Oh, il est devenu exalté. Punaise, c'est pas fini quoi. Oh, je galère. Moi, je peux pas me rendre dépressive, j'ai été bête. Oh punaise, j'ai pas eu le temps de le guérir. Quel, t'es un boulet. Comment oses-tu manger un donut sans ma présence? Du nez du jus à... La vache. Elle résiste bien. Ah, elle va m'enrager. Ah non, est-ce que c'est ce qu'on appelle une défaite? Je ne peux pas accepter ça. Je n'accepterai pas ça. Vous n'êtes rien qu'une bande de paysans de bas étage. Kay la tartine. Et coucou Kyu. Comment est-ce possible? Vous n'êtes rien du tout. Comment osez-vous me défier? Jetez-les dans le cachot. Garde, garde. C'est fini, Choupette. Le mariage est annulé. Non, je ne peux pas accepter ça. Laissez-moi tranquille. Bah ça va, et toi? Mais non. Ma Choupette! Oh ma Choupette! Je suis si soulagée d'être arrivée à temps. Tu dois immédiatement arrêter cette folie. Capitaine spatial? Tu... Espèce d'idiot! Je pensais t'avoir dit de ne plus jamais montrer ton visage devant moi. Oh Choupette! Ma Choupette!
Mon adorable donut fourré à la confiture. S'il te plaît, regarde dans ton cœur et donne-moi une autre chance. Je n'aurais pas dû te faire attendre pendant tous ces jours. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée de ne pas l'avoir fait plus tôt. Épouse-moi, Choupette. Ici, sur cette même scène. Oh mon Dieu. C'est... tout ça ici soudain. Comme c'est romantique. Topus Mike, je vous ordonne de nous marier sur le champ. Oui, tout de suite, votre majesté. Mes chers amis, nous sommes réunis en ce jour. Oh, oubliez les formalités, Mike. Le véritable amour n'attend pas. Oui, ma princesse. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare désormais Choupette et Marie Spatiale. Vous pouvez embrasser la mariée. La barre de censure. Oh, Choupette. Voyageons ensemble dans l'univers et laissons tout ça derrière. Oui, oui, mon mari. J'irai n'importe où, tant que c'est avec toi. Prenons congé, ma Choupette. Nous avons été séparés depuis bien trop longtemps. Viens, mon vaisseau nous attend. Oui, bien sûr, mon chéri. Mais d'abord, il y a une dernière chose que je dois faire. Topus Mike, donnez-moi le bouton. Tout de suite, ma reine. Nous n'aurons plus besoin de tout ça. Je suis prête maintenant, chérie. Enfin, nous pouvons être ensemble. Viens, ma reine. Notre char nous attend. C'est le pire couple. Tout ça pour une fin heureuse. Je ne pense pas du tout que ça va bien se terminer. Ouais, j'imagine que c'était une perte totale de temps. Ton lien avec tes amis s'est renforcé. Les courriels de tout le monde se sont améliorés. Ouais. Bah, regarde, t'en parlais, Ginji. Qui est là. Mais pourquoi t'appines le message, Bella? Qu'est-ce qu'il y a, Omori? Quelque chose ne va pas? Ouais, ils ont oublié Basile. C'est une longue descente. Veux-tu sauter? Oui. Une orchidée colombe. Dans le langage des fleurs, elle symbolise la phrase « Mes pensées te suivront dans tes rêves ». Oula. Tu trouves un livre qui attire ton attention. Un par un, ils se sont endormis dans la voiture sur le chemin du retour. C'était une longue journée à la plage après tout, et tout le monde était épuisé. Je sais pas...
Bah, Sansur, je veux dire. Sansur a été le premier à s'endormir suivi des autres. Alors que le soleil se couche sur l'autoroute, la tête de... tombe accidentellement sur l'épaule de... Ok. Coucou Shadow. Une soudaine secousse le réveille, mais il n'ose pas ouvrir les yeux. Il fait semblant de dormir et stabilise sa respiration. Il écoute le son de la route. Il sent le doux soleil se reposer sur sa peau et la légère douleur qui, demain, laissera apparaître un coup de soleil sur son nez. Il est heureux, très très heureux. Et il se promet que quoi qu'il arrive, il se souviendra en ce moment, de ce moment pour toujours. Oh. D'accord. Un livre, oui. Une flaque de jus s'imprègne dans le tapis. La personne se tenant au-dessus n'est autre que tenant une brique de jus ouverte. Il regarde ses amis autour de lui qui portent tous la même expression de déception sur leur visage. Il laisse échapper un petit rire coupable. En ce qui semblait être moins d'une seconde, disparaît par la porte d'entrée. Un petit chaton noir se fraye un chemin à travers la tache, laissant derrière lui des traces mouillées sur tout le tapis. Le visage de M devient rouge et crie après M, mais M est déjà parti depuis longtemps. M donne à M quelques lingettes humides. On dirait bien qu'ils sont les seuls adultes ici. Et s'ils ne nettoient pas ça bientôt, le tapis va être taché. Ils devront s'occuper de M plus tard. Bah, je sais pas c'est qui, c'est censuré. Alors je dis M, ça va plus vite. Attends. Oula. C'était une chaude journée d'été, et tout ce à quoi M pouvait penser était pourquoi il ne pouvait pas faire ça demain. C'était le bazar dans le jardin. Des planches en bois étaient éparpillées dans toute la zone. Grâce au travail de M, des taches de peinture ont éclaboussé l'herbe. Toute la journée, M a regardé M à faire des allers-retours traballant des planches de bois depuis la camionnette de son père. Il a regardé M se marteler les doigts encore et encore, et a remarqué que plus d'une heure s'était écoulée depuis que M est descendu de son échelle. Je serai juste leur soutien émotionnel, pensa M, alors qu'il s'asseyait endormi à l'ombre de son arbre préféré. Bien entendu, il savait que ce ne serait pas le cas. Bientôt, ses amis demanderont son aide et ne pourra pas refuser. La cabane est pour tout le monde. Il est donc normal que tout le monde y mette du sien. M le sait et partage cet avis. J'adore. Le sait et partage cet avis à contre-cœur. Il se glisse et vacille jusqu'au bazar. Il sait qu'il devrait y mettre du sien. Cela devait juste être le jour le plus chaud de l'été. D'accord. C'est les souvenirs de qui? Omori? J'imagine que oui. Cette année... Uriel, calme-toi. A été assez chanceux pour être assigné à un bureau à côté de la petite fenêtre. Chaque jour, pendant les cours, regardait avec langueur à travers l'ouverture. Les ombres des arbres, les nuages au-dessus de sa tête, son esprit a dérivé ailleurs. Dans ses propres univers, ses propres histoires, ses propres aventures, il avait l'habitude de faire ça. C'était facile pour lui de se perdre. Aujourd'hui était un jour comme n'importe quel autre. M regardait dehors d'un air absent, tandis que les nuages passaient un par un. Soudainement, une main enjouée frappait son dos, le sortant de ses rêveries. M détourna le regard de la fenêtre. M sourit. Il fait signe que le cours est terminé et qu'il est enfin l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, c'est pizza, et ils doivent se précipiter à la cafétéria avant qu'il n'y ait plus rien. L'estomac de M gargouille. Il regarde la petite fenêtre une dernière fois. Il devra continuer ses aventures un autre jour. Ouais, j'imagine que c'est Omori, ouais. Il est dans ses rêves. Gros libard !
Shadow. Tu trouves un livre, ok? C'est le crépuscule. Une étrange statue veille sur le lac caché. Elle a peut-être eu une symbolique importante par le passé, mais le temps a rendu ses gravures illisibles. Dans tous les cas, cela n'est pas très important pour la troupe la visitant aujourd'hui. Ils sont juste là pour l'utiliser comme plongeoir. Les frères sautent à tour de rôle de la statue. Sautent en premier, ensuite, puis encore une fois, et une fois de plus. Les frères incitent joyeusement à les rejoindre, et après mûre réflexion, acceptent avec prudence. Il grappe la statue et regarde-le en mouvement. Il peut entendre ses battements de cœur. Ses oreilles commencent à bourdonner. Il a l'impression que ses jambes peuvent céder à tout moment. Il essaie de se concentrer sur sa respiration. Il sent quelque chose ramper sur son épaule, et ses yeux s'ouvrent subitement pour rencontrer celle d'une araignée noire. En un instant, perd tous ses moyens et se jette dans le lac. L'eau lui remplit le nez. Il bouge ses membres, mais l'eau est plus forte. Il est trop faible, trop impuissant. Ou c'est ce qu'il croit. Il ferme les yeux et attend que les frères viennent le sauver. Oula, ça... D'accord. Tout le monde est de retour aujourd'hui. La grande occasion a eu lieu samedi matin. De 7 à 11 heures du matin, le groupe des 6 amis mange un délicieux petit déjeuner fait maison et regarde la télévision tous ensemble. C'est le jour le plus agréable de chaque semaine. Ils regardent l'horloge, 8 heures du matin, et il reste 2 heures. Il pourra regarder la télévision avec tout le monde jusqu'à 10 heures, quand son tuteur arrivera. Une grimace. C'est ce qu'il pensait être un passe-temps, enrichissant n'a été rien de plus qu'une nuisance. Plutôt que de regarder des émissions avec ses amis, il sera le seul à les manquer. Si seulement il pouvait regarder la dernière heure avec tout le monde. Si seulement il n'avait pas à jouer du violon. Ah, c'est Omori, ouais, c'est Omori. D'accord, quelque chose s'est ouvert. Ouais, il voulait pas jouer du violon, ça le frustre. Alors, touche restante. Par contre, il y a 2 portes là. Je vais où? Oh la vache! Ah! Un piano à queue. Le mot Omori est gravé au centre. Il y a une corde à sauter. Omori est gravé au centre, ok. Ah oui, de délicieux fruits, oui. Vas-y, vas-y, tu te sens mieux. Ah, le pique-nique de Marie sauvegardé, bah oui. Hein. Ok. Donc, ouais, faut bien que j'aille là-bas, à droite. Une partie de cette étagère a été vidée. Il y a un trou ici. Regardez dans le trou? Oui. Qu'est-ce qu'on risque? N'oublie pas, c'est dans le coffre à jouer. Ah, je crois que c'est l'heure. Bon bah c'est parti. Voilà, on se réveille. Deux jours restants. Allez, Omori, réveille-toi. Bah, se nie plutôt.
Voilà, il fait jour, ça va lui faire du bien, un peu de soleil. Allez, on va aller voir Kyle, ça va te faire du bien. Allez. Attends, je vais d'abord me regarder dans le miroir si tout va bien. Est-ce que ça va? Ça va, Omori? Oui, ça va. Allez. Sunny, t'es là? Ah, je peux encore décider de fermer la porte. Ouais, ça change rien. Allez. Que souhaites-tu faire? Ouvrir la porte. Salut Sunny! Bonne matinée à toi, hey. Enfin, il est déjà midi en fait. Il se trouve que Hiro ne sera pas là avant le dîner, donc je pensais passer te voir un peu plus tard. Maman m'a demandé d'acheter quelques trucs à la place de Lointainville avant qu'il ne revienne et je me disais que ce serait plutôt rigolo d'y aller ensemble. Tu veux m'accompagner, Sunny? Bien sûr que tu veux. Allez, viens. Allons-y. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est marqué quoi? Kyle pue. Mince alors, ça doit être un coup d'Aubrey du gang des trottinettes. Sunny, sois honnête, est-ce que je schlingue? Hé, hey, attends Sunny! Je sais que ça fait un moment que t'es pas venu chez moi, mais c'est pas le moment. Ah oui, pardon, 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 pardon. Je voulais voir le chien, mais tant pis. Très bien. Voyons voir. Je suis quasi sûre qu'il faudra qu'on aille chez Gino et à la boulangerie de l'Altermarché. Passe devant Sunny. Ok, on va chez Gino. Ah, il y a Aubrey. Ça déchire grave chez Gino. Ça, c'est une pizza bien dégoulinante, gras des grasses, comme je les aime. À l'attaque! Du coup, on va toujours à notre repère secret aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais ramener ma canne à pêche. C'est moi qui l'ai faite hier. À partir d'un bateau trop stylé et d'une corde à sauter. Tu penses que ça va marcher, Charlie? Hé. Hey. Donc on va à notre repère secret. C'est un endroit parfait pour un rencard. Je ferai en sorte de ramener une de mes jolies minettes. Nager. Ça a l'air plutôt marron. Et bah. Pendant que vous serez tous là à faire les clowns comme des bébés, moi je serai occupée à faire des ricochets. J'ai passé la semaine à chercher. Les galets parfaits. Hé, hey, tu peux essayer autant que tu veux, Kim, mais tu n'arriveras jamais à battre les records d'Aubrey. Ferme-la, Michael. Comme si une fille voudrait aller au lac avec toi sans que tu la paies. Je t'ai dit de m'appeler le marge... Ah! Mais je suis mordu la langue. Quel bouffon. Ah, tout va bien, maître? Tu vas me le payer, Kim. Aubrey. Bon, d'accord. Bonjour et bienvenue chez Gino. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, je suis là pour récupérer une commande. Je vois. Que désirez-vous? Oh, je sais. Vous voulez de la pizza? Miam, miam. Je pense que ma mère a appelé pour une commande de sandwich Chiro ce matin. Je suis juste là pour la récupérer. Oh, je vois. Vous êtes la famille qui n'arrête pas de commander des sandwichs au lieu des pizzas. Mais ils sont sur la carte, non? Ouais, t'as raison, j'imagine. Ok, je vais chercher ça. Tu sais? Je sais pas si je t'ai déjà dit, mais c'est pour ça que Hiro est le surnom de mon frère. Je pourrais penser que c'est grâce à un truc super stylé, comme s'il avait sauvé un chou en étant gamin ou un truc dans le genre. Mais non. Il aime juste vraiment les sandwichs. Ok, voici votre sandwich Hiro. Bon appétit. Ah, c'est son surnom! Tu as obtenu la commande de pizza. Ok. Cool, merci. D'accord, on est prêt à partir maintenant, Sunny. Je suis prêt quand tu l'es.
Il nous reste plus qu'à récupérer les cookies à la boulangerie de l'Altermarché. Ah, il va être content, Ginji. C'est comme au Subway. Un sandwich et des cookies. Allons à la boulangerie. Ma mère a passé commande là-bas. Ah, ça doit être ici. Bienvenue dans notre boulangerie familiale. Que souhaiterez-vous? Je suis là pour récupérer une commande. Ah oui. Ta mère a dit que tu viendrais, mais je m'attendais pas à ce que tu sois... Que tu sois là un poil plus tôt. Je vais récupérer ta commande. Tu le savais, cette boulangerie appartient à la famille de Michael. J'imagine que c'est dur à capter, vu qu'il porte cette horrible perruque jaune en permanence. On dirait qu'il fait un effort plutôt conséquent pour se démarquer et être différent. Voici votre commande. On espère vous revoir bientôt. Profitez bien de vos pâtisseries. Tu as obtenu la commande. Okay. Cool, merci. D'accord, on est prêt à partir maintenant, Sunny. Je suis prêt quand tu l'es. Bah ouais, on peut s'en aller. Non, je suis pas comme ça. Je suis sûre que c'est ton genre, Vélaf. Gâteau, ok. Sandwich, ok. Eh ben, on a tout. Et pile à temps en plus. On dirait que le soleil va se coucher. Rentrons chez moi, Hiro. Devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah, on va voir Hiro. Allez. Je suis sûre, on va s'éclater. Ça va être une bonne ambiance. Avant de rentrer, je devrais probablement prévenir que ma mère va être un peu en colère vu le temps qu'on a pris avec les courses. J'étais censée tout lui apporter pour midi, mais je me suis laissée emporter dans d'autres trucs et... Enfin bref, tu sais comment ça se passe. Enfin, qu'importe. J'ai réfléchi à une solution pour ça. Alors, je me disais que tu devais rentrer en premier. Comme ça, elle va te voir toi d'abord et va être toute contente. Et surtout, elle va oublier de me crier dessus. Tu vois, c'est gagnant-gagnant. Hé, t'as compris? Allez, vas-y. Maman, Sunny est là! Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps qu'elle? Je t'ai envoyé chercher les courses il y a des heures. Combien de temps ça prend pour prendre quelques sandwichs? Oh mon Dieu, c'est toi, Sunny? Mais oui, c'est toi! Ça fait plaisir de te revoir. Oh, mais tu as l'air si maigre. Est-ce que tu manges correctement? Voici les trucs que tu m'as demandé, maman. Ok. Dépêche-toi, Sunny. Montons dans ma chambre. Attendez une seconde, jeune homme. Salut, maman, à tout à l'heure. La porte est fermée à clé. Je pense que tu peux te retenir un petit peu plus, Sunny. Je peux te montrer ma chambre d'abord. Ah oui, c'est les toilettes. Waouh. Eh ben, fais comme chez toi. Oh, regarde, j'ai un panier de basket et une radio cassette comme j'en ai toujours rêvé. Attends, je vais te montrer une musique pour toi. Ouais, c'est bien cool. Maman me laisse pas mettre la musique trop fort parce qu'elle dit que c'est mauvais pour Sally. Oh, mais attends. Tu n'as pas encore rencontré Sally, non? Hé hé, devine quoi, Sunny? Je suis grand frère maintenant. Sally est ma petite sœur. Ma mère va probablement l'amener en bas pour le dîner. Elle est vraiment toute petite et vraiment mignonne. Kyle, il y a une fille à l'entrée. Elle a dit qu'elle est là pour te voir. Hein? Je me demande qui ça peut être. Coucou Kyle, coucou Sunny. Désolée de vous déranger. Je me demandais si vous saviez où était Basile. Je me disais qu'il était peut-être avec vous. Basile? Non, désolée. On l'a pas vu de la journée. Oh d'accord. Je suis sûre qu'il va finir par revenir. Il a filé plus tôt et n'est toujours pas revenu. Si vous le voyez, vous pouvez lui dire de rentrer à la maison? Je suis vraiment inquiète pour lui. Bien sûr, Polly. On sera à l'affût. Merci.
Je savais que je pouvais compter sur vous. Basile a disparu aujourd'hui. J'ai un mauvais pressentiment. Surtout avec Aubrey et sa bande dans le coin, on devrait peut-être aller le chercher avant que la nuit tombe. Est-ce qu'on peut aller le chercher, maman? S'il te plaît. Bon, cette fille avait effectivement l'air vraiment inquiète. Bon, d'accord. Mais soyez de retour avant le dîner. Bon, on va le chercher où? Il est où, Basile? Peut-être au parc. Ici. Basile. Non. Sérieux, il est passé où, Basile? Je le vois nulle part. Quelqu'un, à l'aide! Sunny, t'as entendu? Je crois que c'était Basile. À l'aide, s'il vous plaît! D'où provient sa voix? Attends une seconde, je connais cet endroit. La voix de Basile vient de notre ancien aéropère. L'entrée devrait encore être quelque part par là. Oh non. À l'aide! Quelqu'un! Mais pourquoi tu cries comme ça, Basile? Tu nous fais une scène? Cet endroit est notre repère secret. T'as pas le droit d'être là parce que t'es pas invité. Bon sang, Basile, tais-toi. Quelqu'un va finir par trouver cet endroit. Ouais, on veut pas te faire de mal, on veut juste que tu te barres. Eh, arrêtez ça! Qu'est-ce que vous faites à Basile? Quoi? Ni. Revoilà Kyle et Sunny. Pourquoi vous arrêtez pas de vous pointer? Déjà, comment vous avez trouvé cet endroit? Allez, Aubrey, faut qu'on défende notre territoire. Oula. Aubrey? Dégage, Kyle. T'es pas le bienvenu ici. C'est notre endroit. Oh, c'est votre endroit maintenant. Eh ben, c'était notre père à l'époque. N'est-ce pas, Aubrey? Fais gaffe ou on va te défoncer. Bon, si c'est ce que vous voulez, alors arrêtez au moins de persécuter Basile. Mais on n'y faisait rien. Il s'est juste mis à crier sans raison. Ouais, mon œil. Et pourquoi je devrais te croire? C'est la vérité, arrête de nous faire la morale, tocard. Allez, les gars. Assurons-nous que ce soit la dernière fois que ces deux-là nous dérangent. Ça me va. Je te suis, le marginal. Réglons ça une bonne fois pour toutes, Kyle. Si Sunny et toi cherchez la bagarre avec nous, eh bien vous allez la trouver. Allez les gars, donnons-leur une bonne leçon. Mais j'ai pas le couteau. Mais ça fait rien. Vas-y, je suis mort. Oh punaise, elle m'a défoncé. Ouf. C'est ça la vraie vie? Nous avons gagné, maître. Bien fait pour ces bolos. Eh, Kay, Sunny, fiche le camp d'ici. Ouais, on l'a vraiment fait. Les ennemis maléfiques ont été vaincus. Bon sang. Désolé, Sunny. Pourquoi j'ai cru qu'on pouvait affronter 6 personnes en même temps?
Même si c'est une bande de cassos. C'est fini, Kale. Partez d'ici. Vous n'avez plus votre place ici. Non, je reste. Je peux pas partir d'ici après avoir vu la personne que tu es devenue. Je veux dire, qu'est-ce que Marie en penserait? Pourquoi tu la remets toujours sur le tapis? Combien de fois je vais devoir te le répéter? Marie est morte. Tu peux arrêter avec ça? Et pendant que tu y es, arrête de jouer les durs. J'arrive pas à te croire lorsque tu dis que tu tiens plus à nous. T'as tous tes nouveaux amis maintenant. Mais tu traînes toujours dans notre ancien repère. J'ai vraiment besoin de te faire un dessin. Ne l'écoute pas, Aubrey. Il dit n'importe quoi, comme d'habitude. Pas vrai, Aubrey? C'est plus drôle. Je veux rentrer à la maison. Partons d'ici. Tu l'as dit. Tu viens, Aubrey? Oh, ok. À plus tard alors. Aubrey? Ah. Pourquoi? Pourquoi vous n'arrêtez pas de revenir? Je veux juste que vous me laissiez tranquille. Sunny, pourquoi? Pourquoi tu réapparais maintenant? On veut juste que t'arrêtes d'embêter Basile. C'est quoi ton problème avec lui tout d'un coup? On était amis. On était tous amis. Tu penses que je suis la brute? Mais vous aussi, vous êtes perturbée. Où est-ce que vous étiez lorsque Marie est morte? Où est-ce que vous étiez? Non, 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 non. Et toi? Tu es le pire d'entre tous, Basile. Comment oses-tu encore te montrer après ce que tu as fait? Aubrey, je... Laisse-moi tranquille! Bordel. Mais Aubrey, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé beaucoup trop loin? Attendez, c'est pas ce que je voulais... Sunny, t'occupe pas d'Aubrey, je vais l'occuper. Va sauver Basile. Veux-tu sauver Basile? Oui. Plouf le chien. Oula. La porte est verrouillée. Attends, je suis où là? C'est Marie? Pas réussi à la rattraper. J'ai le couteau. Oh, Kinji, tu sais ce jeu? Je crois qu'il y a plus, il y a pas vraiment de limite à la violence. Quelque chose te tire vers le bas. Ouais, tu peux choisir de laisser mourir Basile. Mais là, ça serait Kale qui irait le sauver, quoi. On va se calmer. Et d'ailleurs, la dernière fois, tu m'avais demandé, Nekos, si on pouvait ne pas utiliser le couteau contre Aubrey et Gagné. Ouais, on peut. Mais ça prend beaucoup de temps. Et ça change pas grand-chose, quoi.
C'est bien de se faire passer pour le psychopathe. Ça va bien, Sunny. Calme les battements de ton cœur, n'aie pas peur. Ce n'est pas aussi effrayant que tu le penses. Tu dois persévérer, n'abandonne pas. Qu'importe à quel point ça a l'air impossible. Tu atteins la voie et te souviens de comment persévérer. Je persévère. Allez, Omori. Ah, Sunny plutôt. Je crois que c'est bon. Hiro? Hiro? Qu'est-ce qu'il fait là? On dirait que la respiration de Basile est stable. Mais on doit l'amener dans un endroit chaud et vite. Ouais, il a eu une dure journée. Ramenons-le chez lui au plus vite. Attendez! Où est-ce que vous pensez aller? Ça suffit. Tu penses pas que t'as déjà assez causé d'ennui comme ça? Allez les gars, on y va. On dirait que la respiration de Basile est stable, mais on devrait le ramener chez lui au plus vite. Ok, on doit le laisser. Très bien. Ah, la couleur a changé. Non, c'est pas là. Là, c'est le coucher de soleil. Hop. Ah bah, c'est ici. Basile, que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? Sa respiration est stable. Il faut juste changer ses habits et un lit chaud. Ok, je peux m'en occuper. Vite, entrez! Vous pouvez m'aider à le transporter dans sa chambre? Bien sûr. C'était intense. J'espère que Basile va bientôt se réveiller. Hey Kale! Hey Sunny! On dirait que tout ira bien pour Basile. Maman m'a dit que Basile avait disparu et que vous étiez parti à sa recherche. Alors que je courais dans le parc, j'ai entendu de l'agitation venant de notre père. Je suppose que je suis arrivée pile à temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Aubrey, elle a poussé Basile dans le lac. Quoi? C'était Aubrey là-bas? Impossible, elle n'aurait jamais fait ça à Basile. Je suis sûre que c'était une sorte de malentendu. C'est plus la même, Hiro. Elle a mal tourné depuis que t'es parti à l'université. Aubrey. Que s'est-il passé pendant que j'étais pas là? Peut-être que je n'aurais jamais dû partir. C'est pas de ta faute si tout ça s'est passé. Les choses auraient pu vraiment empirer si tu n'étais pas arrivé. T'as fait tout ce que t'as pu. Non mais t'inquiète, je vais sauvegarder après. Allez, rentre-toi à la maison. Tu sais, Sunny, t'étais plutôt génial là-bas.
en sautant dans le lac pour sauver Basile comme ça. Même si c'est Hiro qui a fini par sauver la mise, je pense que tu mérites un peu de reconnaissance toi aussi. Ça te dit un top là? Veux-tu faire un top là? Oui. Ça va, ça, c'est pas trop mal notre journée. Ah non, là c'est l'église, ok. Apprends ton à gauche, et je crois que c'est bon. Oui. Kale, Hiro, où est-ce que vous étiez passé? Il est si tard, j'étais morte d'inquiétude. Désolée maman, on a été retenus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Basile et qu'il va bien. Sachez que j'ai passé toute la semaine à préparer le poulet rôti pour le dîner de ce soir. Et... il est froid maintenant. Oh maman, s'il te plaît, ne pleure pas. T'inquiète maman, c'est pour ça que les micro-ondes existent. Oh, mon pauvre dîner. Allons, allons, chérie, courage. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il n'y a pas de raison d'être triste. Regarde, Hiro est revenu de l'université. Ça fait plaisir de te revoir, champion. Merci, papa. Oh, ton père a raison. L'heure n'est pas aux pleurs. Ça fait plaisir de te revoir, Hiro. Tu nous as tous tant manqué. Mouah. Ah, on dirait que Sally est réveillée. Je vais la chercher. Allez les garçons, vous devez avoir faim. Allez-y, servez-vous pour le dîner. Cool, allons réchauffer de la nourriture. J'ai proposé mon aide à ta mère pour le repas de ce soir, mais tu sais comment elle est en cuisine. Assure-toi de lui dire à quel point sa nourriture a bon goût. Tu as obtenu un repas maison, mais il est froid. Tu peux le réchauffer en utilisant le micro-ondes, ok. Il est énorme le sandwich. Fiouf! Maintenant que tout s'est calmé, on peut enfin se reposer un peu. Ça fait tant plaisir de te revoir, Sunny. Ça faisait vraiment trop longtemps. Oh, ça fait plaisir de te revoir aussi, Kale. D'ailleurs, Sunny, ma mère m'a dit que tu déménageais bientôt, ça a l'air palpitant. Ouais, en effet. Et c'est son dernier jour avant nous demain. Déménager peut sembler un peu stressant au début, mais c'est pas si horrible que ça une fois que t'y es habitué. Je pense que ça te fera du bien, Sunny. Tu apprends plein de choses en déménageant autre part, et ça fait du bien de prendre un nouveau départ. Je suis un peu triste de te voir partir, mais ça ira tant qu'on garde contact. Ah là là, on a vraiment beaucoup de souvenirs ensemble. Parfois cette époque me manque, quand on traînait ensemble, qu'on mangeait un truc, qu'on buvait du jus. Ouais, on a tout fait ensemble. On est allé au parc, au lac, à la plage, mais honnêtement, ce qui me manque le plus, c'est lorsqu'on traînait chez toi, Sunny. Vous aviez tout. Une énorme télé, tous les derniers jouets, un piano à queue, et évidemment notre propre cabane dans les arbres. Ah ouais, elle était géniale la cabane. Je me demande si elle est encore là. Tu peux nous dire, Sunny? On dirait que c'est prêt. Allons manger dans le salon. On pourra continuer à discuter là-bas. D'ailleurs, Hiro, Basile a donné son album photo à Sunny hier. Tu veux le voir? Tu as l'album photo de Basile sur toi? Bien sûr. Je t'ose y un coup d'œil pendant qu'on mange. Mais je crois que j'avais tout regardé. Y a rien de rajouté, non? Moi, non, y a rien. As-tu fini de regarder? Oui. C'est dommage qu'il reste des photos manquantes. Aubrey a volé la bob de Basile, mais l'a récupérée. Mais on l'a récupérée. Peut-être qu'elle a le reste des photos. Hé, hey, Hiro, ça va? Tout va bien? Ouais. C'est juste que... Eh bien... Marine
n'est sur aucune de ces photos. Oh, t'as raison, elle n'y est pas. Ah, enfin, cet album ravive quand même de bons souvenirs. Les choses étaient tellement plus simples quand on était enfant. Sunny, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu penses qu'on peut voir ta maison une dernière fois avant que tu partes? Oh, c'est une super idée. Mais tu vas devoir convaincre maman d'abord. Elle va probablement être énervée si tu passes pas assez de temps avec elle et tout. Tu sais comment elle est. Pouf, c'était un sacré bazar. Sally a fait un petit popo, elle est toute propre maintenant. Hii, aou. Elle est où Sally? Elle est là. Ouin. Arrête, Kael, tu lui fais peur. Donc, hey, maman. On se demandait si on pouvait traîner chez Sunny aujourd'hui vu qu'il déménage bientôt. Oh, mais tu viens juste de rentrer. Il est déjà si tard. Que dis-tu de passer du temps avec ta maman? Je serai là pour le reste de l'été et Sunny part après-demain. On aura tout le temps pour discuter. Je pense que ça va pas... Je pense que ça va s'il passe un peu de temps avec elle et Sunny. Je n'ai pas vu Sunny depuis si longtemps. Ça fait un bail que les garçons n'ont pas eu l'occasion de passer du temps ensemble. Je pense qu'on devrait les laisser faire. Pff, ok, d'accord. Amusez-vous bien les garçons. Mes héros devraient faire la vaisselle avec moi la semaine prochaine. Ok, je suppose que je peux faire ça. Bon, vous pouvez y aller. Allez Sunny, Sally. Laissons tes méchants frères tranquilles. Ils ne veulent pas entendre parler de nous, pas vrai, Sally? Oh, maman. Bon, on y va, on va chez moi. Hey, je suis vraiment content qu'on puisse passer du temps ensemble et tout. Mais je me sens aussi mal d'avoir laissé maman toute seule. Avant d'aller chez toi, allons chez Repartout et achetons des fleurs pour elle. Je sais que ça lui ferait vraiment plaisir. Oh, Hiro, toujours le garçon à sa maman. Veux-tu jouer avec Hector? Ouais. Oh. Waf, 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 waf. Est-ce que je suis un bon garçon? Oui, Nekos. Du coup, vous cherchez les fleurs. J'ai cru que tu dormais, Nekos. Mince. J'allais te clasher pendant que t'étais pas là. Répare. C'était où les fleurs? Ah, c'est là. Nekos, c'est un bébé quand même. Faut dire Nekos pour qu'il se réveille, sinon il dort. Par contre, c'est où les fleurs? La pharmacie, non? Il n'y avait pas des fleurs, c'était où? C'était pas Repartout, je crois. À droite dans le magasin? Bah non, c'était les bonbons à droite. Des fleurs. Mais ouais, mais tu peux pas les acheter. Bon, je sais pas où c'est. Bon, ça doit pas être au supermarché. Chez Basile? Non, je pense pas non plus. Je vais aller au parc, voir s'il y en a. Y'a pas un marchand de fleurs ici, non? Je sauvegarde au cas où. Après, ouais, je vais peut-être essayer chez Basile, mais...
là. Ah bah voilà, peut-être des fleurs ici. Bienvenue à Répartout. Oups, avant que j'oublie, Sunny. Voici de l'argent pour les fleurs de ma mère. Tu ne penses tout de même pas que j'allais te laisser payer pour ça, quand même. Ah, merci. Ah bah voilà. Maman va adorer ces fleurs. Déposons-les chez moi, Sunny. Ah bah voilà. Ah, oh, le détour. On dirait qu'il se fait tard. On devrait sûrement aller chez toi juste après ça. Ça te convient, oui? Allez, refais le beau gosse. Salut maman, je t'ai apporté des fleurs. Oh, est-ce qu'elles sont pour moi? Elles sont magnifiques, merci beaucoup. Ah, Héro, t'es un vrai charmeur. Tout comme ton vieux père. Je suis désolée d'avoir réagi de façon excessive tout à l'heure. Je sais que Sunny déménage bientôt. Faites de votre mieux pour rester en contact. Les amis sont plus difficiles à se faire avec l'âge. Maman, c'est tellement déprimant. On va s'en sortir. Oui, je suis sûre que vous vous en sortirez. Prends soin de toi, Sunny. Sache que tu seras toujours le bienvenu ici. Ah, il fait nuit. Allez, c'est parti. Waouh, je viens tout juste de tilter. Ça fait si longtemps qu'on n'est pas allé à l'intérieur de chez toi, alors qu'on vit juste à côté. Le temps passe vite, hein. Ouais, c'est vrai. Allons à l'intérieur. Après toi, Sunny. Oula, c'est déprimant. Waouh, cet endroit fait vide. Ta maison semble bien plus grande maintenant qu'il n'y a plus rien ici. Il y avait un canapé ici, on regardait la télé. On venait tous dormir chaque week-end, puis on regardait des dessins animés le matin. Waouh! Et ça, c'est la tâche de la fois où j'ai renversé mon jeu d'orange. Marie était tellement en colère contre moi. Eh ben, ça c'est parce que son chat a mis les pattes dedans et a marché partout dans la maison. Ah ouais, hein. Ah mince, on dirait qu'il fait trop noir pour aller voir la cabane dans les arbres. C'est pas grave, peut-être qu'on pourra revenir demain. Attendez, j'ai une idée. Et si on restait pour la nuit? Ça va être la dernière fois qu'on nous restons ici, non? Et ça sera quand la prochaine fois que l'on pourra passer la nuit avec Sunny comme ça? J'aimerais beaucoup, mais maman ne va pas être ravie. Elle ira bien. Ça me fatigue de me réveiller la nuit à cause des pleurs de Sally de toute façon. Tu vas faire la vaisselle avec maman toute la semaine, non? Tu mérites bien ça. Eh ben, c'est vrai. Ça devrait probablement le faire. Nous vivions juste à côté, alors nous serons qu'à deux pas de la maison. Allez, on va dormir dans ma chambre. Ah, je me souviens de ce couloir. La penderie était à gauche, et la salle avec le piano à droite. Je me demande si le piano est toujours là. Je pars devant pour aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas trop sévère avec moi. Ça fait un moment que je me suis pas entraînée. Crâneur. Ah, j'imagine que je n'ai pas perdu la main. Hé, hey Sunny, ça me rappelle. Est-ce que tu joues toujours du violon? Oh, il n'est pas là. J'imagine que tu l'as déjà emballé.
Il y avait cette chanson que tu avais l'habitude de jouer avec Marie. Elle reste coincée dans ma tête, parfois, mais je me souviens plus de ce nom. Vous deviez la jouer encore et encore. Nous pouvions même l'entendre de notre maison parfois. Qu'est-ce que c'était déjà? Je sais pas, je m'en fous. Cette bibliothèque a été vidée. Les cartons sont éparpillés. Oh, bon sang, je me sens si fatiguée tout d'un coup. Peut-être que ça suffit pour cette nuit. Ça me va. Je dois me lever tôt pour faire mon jogging matinal de toute façon. Donc, où devrions-nous dormir, Sunny? Probablement quelque part dans ta chambre, non? Je me souviens que tu détestais dormir seule. Ouais, ça a l'air marrant. On peut dormir sur le sol s'il y a besoin. Allons chercher des couvertures. Un instant, Kel, attends-moi. Oh, la musique est plus douce. J'ai l'air heureux là, non? J'ai l'air bien. Oh, mon Dieu. Hé, Sony, on a construire un fort de lit. J'espère que ça te dérange pas. Tout ça, c'était l'idée de Kel. Je n'ai rien à voir avec ça. Au fait, Hiro, Sony et moi, on a un cadeau pour toi. Ah, un cadeau? C'est le livre de cuisine « Tel père, tel fils » de Papa Chip. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en rappelle. Ah, je me souviens lorsque je voulais devenir cuisinier. Ça me paraît si bête maintenant. Eh, tu étais doué pour ça. Et tu peux toujours devenir cuisinier, Hiro. Ah, ce n'est rien. Je n'ai plus le temps pour ça. Mais, tu aimes vraiment cuisiner, non? Et les gens doivent manger, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas? Ah, je pense pas que ça marche comme ça, Kale. Rompiche, rompiche, rompiche. Il a sommeil tellement rapide. Ça a toujours été comme ça, j'imagine. Merci de nous laisser dormir ici, Sunny. Je parie que ça doit être plutôt difficile d'être dans cette maison vide, surtout sans mari. Je suis désolée de ne pas avoir été plus là pour toi. Tout est si différent maintenant. Mais on dirait que tu es resté le même. C'est plutôt soulageant, pour être honnête. C'est vraiment chouette de te revoir. J'aurais juste aimé qu'Aubrey et Basile soient là aussi. Enfin bref. Pardon de me plaindre. Il se fait tard, je vais probablement bientôt aller dormir moi aussi. Bonne nuit, Sunny. On se parle demain matin. Un lit très confortable, oui. Je sauvegarde et puis on arrête là. Je crois que c'est bon. Il va rien se passer. Oula. Ah, et là, c'est Omori qui prend sa place. Non, pourquoi, Pélaf? Attendez. Oh! Quoi? La porte est verrouillée. Oh, ok. Bah attends, y a pas mes amis? Bon, on va s'arrêter là. C'est vide.
tu es tout seul. Peux-tu jouer à cache-cache? Bah non. Panier à pique-nique de Marie, oui. Ok. Bah non, Nekos, parce que t'es pas gentil. Si t'es gentil, je le ferai, mais si t'es pas gentil, bah je le fais pas. Voilà. Bah on va s'arrêter là du coup. Je sais pas si Nekio y stream, je vais aller voir. Hop, hop, hop. Alors Nekio. Il y a John. Ah bah John. Je vous envoie chez John. Attendez, hein. Oula. Mais tu veux... Elle bug ? John, t'es là. Ouais, t'es là. Mais oui, bonne nuit tout le monde. Là. Bonne soirée. Il joue à Doom en plus. Hop. Allez, John. Et hop.